باش نحمي البشره ديالي من السمش كندير ليكرون سولير، هادشي اللي كندير كل نهار. فاش كنمشي للبحر كندير كاسكيت، كندير نظاظر، هادشي اللي كندير ضروري، حيت الشمس ضروري خاص تبروتيجي. تقدر الكونسير، الله يستر الكونسير ديال الجلد، كاين بزاف الامراض، حتى اللون كيتبدل كيولي لون خايب، ما كيبقاش اللون كيف الاول، دونك من الاحسن كاسكيت لونيت سولير سي تو ويفيتي ديكسبوزي لا تيت او سولاي سي تو. كندير اكران اس في ار تو سامبلومون كل دوزا كاسكيت نو ريان دي شو. انا اختي ما تندير والو، انا الشمس انا ولفت الشمس كنضل فيها نهار كامل. كنت تدير كاسكيت؟ ها هي كاسكيت نديرها، ولكن بالنسبه لواحد اخر الخدمه ديالي انا في الشمس، واحد اخر يقدر يمرض فهمتيني، والشمس هي راه مزيانه راه صحيه الله عظم بعدها راه خصك تعرف بلا ما تقاديها، هي راه ضروري الشمس للذات، بحال نقولوا الدار اللي ما فيهاش داخلها الشمس راه تكون فيها شويه الغموليه، راه الجسم ديال الانسان تا هو بحال هكا. ليكرون صاب كيتحرق لي وجهي ضروري خصني نديرها كل نهار. Pour parler du soleil, il est important de dire que le soleil est notre ami. C'est grâce au soleil qu'on se réveille, qu'on se couche, il nous réchauffe, il nous nourrit, il nous alimente. Et vous savez que le soleil traite des maladies. On peut se faire traiter par le soleil. C'est grâce au soleil qu'on sécrète la vitamine D qui nous consolide les os. Donc le soleil est d'abord notre ami. Maintenant, avec ce soleil, il faut savoir se comporter parce que le soleil peut avoir des effets néfastes. Quels sont ces effets néfastes? La première, c'est la brûlure, l'insolation. Et donc, il va falloir faire attention pour ne pas tomber dans ces situations-là. Bien sûr, ce sont les ultraviolets qui pénètrent et qui vont détruire les cellules cutanées. Mais dans un rayon solaire, vous avez les infrarouges, les ultraviolets, etc. Donc, on ne va pas dire « Ah, je me protège contre les UV et je ne me protège pas contre les infrarouges ». On se protège contre tous les rayons solaires, tout en sachant, bien sûr, que ce sont les rayons ultraviolets qui détruisent. Mais la photoprotection, la protection contre le soleil, elle est la même. Alors la seule chose à éviter, c'est d'éviter la brûlure, d'éviter la grande exposition. À chaque fois que vous prenez un coup de soleil, vous détruisez vos cellules. Et quand vous détruisez vos cellules, pour qu'elles se reforment, elles se reforment mal. Et c'est la base d'un petit cancer de la peau qui va se développer. Premièrement, on ne s'expose pas entre midi et 3 heures. D'abord. Deuxièmement, on veut s'exposer, on va s'exposer progressivement. On s'expose 5 minutes la première semaine, 10 minutes la deuxième semaine. On commence à préparer notre peau au soleil à partir du mois d'avril. Dès qu'il y a les premiers rayons du soleil qui apparaissent et qui ne sont pas encore trop forts. Parce que lorsqu'on a construit la couche de pigments, quand on bronze, cette couche de pigments elle évite aux rayons solaires d'aller nous attaquer. Donc ça devient une protection. Et à partir du moment où on a bien préparé notre bronzage, on peut à ce moment-là s'exposer, jouer sur le sable, rester au soleil, tout en évitant. Entre midi et 3 heures, attention les bébés, attention les personnes âgées, pas d'exposition solaire. Les écrans ne sont pas suffisants. Ce qui protège, c'est les habits qu'on met, c'est le chapeau, on se met sous le parasol, c'est le t-shirt qu'on met. Les écrans ne sont qu'un complément de protection anti-solaire.